se souvient de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... démonter. Oui. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. T'as plus rien. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi, sois pas égoïste. On va se consoler ensemble, je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Tu crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, là? Bah, c'est sûr que la séparation est dure. Je parlais du mariage. Je vais pas faire semblant d'aller bien, je vais pas bien. Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie. Non, je regardais... Salut, toi. Salut. C'est le divorce code. Réveille-toi, Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'abuses. C'est qui? Merde. T'as bu ou quoi? Bingo. Ouais, j'ai bu, parce que c'est mon anif. Alors les copains m'ont fait une surprise. Elle a bu des coups. Il y a un truc qu'il faut pas toucher. Ma Ferrari 250 GTO. D'accord, allez, je tape bien Hubert. Oh, ça, je peux le faire tout seul. Hubert ! Oh, merde ! Oh, merde ! Mais le frein à main ! Le frein à main ! Non ! Je vais aller sur le petit coin, je vais racheter la même, à l'identique.